Je peux faire les lives ici. Laissez la page, c'est tranquille. Le port. Non, je peux faire les lives ici. Je fais plus live ici, ma. Je préfère faire ici. Il est quelle heure? Les gens sont au boulot quand même. Quand même. Quand même. Les gens sont au boulot quand même. Les gens sont au boulot quand même. Hein. On va faire ça ici. On va décrypter le live là. Les gens sont au boulot. J'ai fait sur la mauvaise page. On va décrypter le live là. On va décrypter le live là. Il y a trop de manipulations sur les réseaux sociaux. Non, on ne vous laisse pas. On ne vous laisse pas. On va décrypter ça. Ma page est rouge, mais ce n'est pas grave. Trop de manipulation. Les gens sont au boulot. Hein. On va décrypter. Les gens sont au boulot, mais c'est pas grave. Même quand on est fâché. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je sais que vous êtes au boulot. On va décrypter la manipulation. Ne laisse pas. Tu veux m'appeler magie. Tout le temps des messages. Des compliments, mon gars. Tout le temps. Des mensonges et des combats. Mais attends là. L'amour, c'est pas forcé, ma chérie. Mais attends là. C'est lui ou c'est moi ton ami, copine, donc c'est toi l'épine. Je t'invite à ma table, c'est toi qui veux venir coucher dans mon lit. Même quand on est fâché, tu peux toujours me saboter. Lui et moi on se s'aime. Bonjour à tous, merci de partager mon live. Pendant que je m'accrochais à toi, toi tu te rafraîchis sur lui. Pour te rapprocher, essayer de me le piquer. Mon gars, c'est raté, c'est volé. Ils sont le coup de séparer. Oh là là, je dis, le gars de qui, non? Même quand on est fâché, tu peux toujours me saboter. Lui et moi, on se sert. Partagez les vidéos de Chica. Encouragez l'artiste, s'il vous plaît. Les Camerounais, encourageons l'artiste. C'est mon gars. Encouragez au Chica. J'ai la voix de crapaud, j'accepte, y'a quoi. Lui et moi, on se sert. C'est mon gars, c'est mon gars. Je sais qu'il est sexy, je sais que c'est un génie. Arrête de te faire lire, c'est à moi qu'il est unique. Je sais qu'il est sexy, je sais que c'est un génie. Oh là là, ouais, tu m'as pas vu en direct. Oh, c'est quoi même? Ne parle pas, ne parle pas, je suis en direct. Ne parle pas, ne parle pas, je suis en direct. Ne parle pas. Allô? Tu m'as pas vu en direct? Bah oui, j'ai coupé, on t'a pas entendu. Tu es en train de bûcher, non? Tu es en train de bûcher, non? Tu revises ou pas? Moral légué. Je vais faire le moral légué d'abord. Mon l'homme légué. Il y a trop de mon l'homme légué sur Meta. Je vais les dé.
On, maman, les moules. Attends, je vais écrire où mon stylo. Je suis à l'école. On dit quoi? Moulom légué. Trop de Congo ça s'imite à les hommes. Je vais vous désenvoûter. J'étais en train de jouer la musique de ma Gigi. Tu m'as coupé à toutes. Fais bien tes devoirs. Revise bien. Ciao. Bon. Excusez-moi. Bonjour à tous. Hein. Bonjour à Joanne Andolo. J'ai la voix de crapaud, mais j'aime ça. Il n'y a pas de Congo. Il n'y a pas de problème. Diane la puissante. Bonjour, ma sistou d'amour. Jean-Jésus. Bonjour. 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 Aïcha. Bonjour, ma sistou Aïcha. Merci pour votre support. Hein. Bonjour, Joanne Andolo. Nos artistes de Facebook. Elle chante. Elle chante. Toi, tu as chanté quoi? Encouragez-la. Elle chante bien. C'est vous, les Camerounais. Vous aimez dénigrer vos frères. Voilà un musicien ivoirien qui a pris l'avion hier pour Paris. Il ne chante rien. Les Ivoiriens l'ont soulevé, on lui a donné le visa. Il est arrivé à Paris ce matin. Le Camerounais va seulement te dénigrer. Oshiga chante bien. Elle va s'en sortir. Oui, oui. Elle va s'en sortir. Vous allez la voir. Elle chante bien. C'est Coco Ateba. C'est Coco Ateba numéro 2. Vous n'allez pas la décourager. On a un mental d'acier. Vous êtes petit pour nous décourager. Avec le Camerounais, sois focus. Parce que bien te dira que c'est faux. Pour te faire douter de tes compétences. Vous voulez faire douter Koshiga de ses compétences. Elle est forte. Bonjour, Diane la puissance. Bonjour, Aïcha Annie. Oh, ma maman s'appelait Louise Annie. Si tu commentes encore, moi, je te bloque. Parce que j'aime les gens faire plaisir. J'aime les gens faire plaisir. Bonjour Miranda Kay, bonjour Mel Magui, bonjour Juliette Brandy, bonjour ma Julie d'amour. Hein? Elle va sortir, Jean-Jésus, t'en fais pas. Bonjour ma grâce Sylvie Tignet, soyez indulgents s'il vous plaît avec notre chère Oshiga. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Hein? Elle a du talent, elle a du talent. C'est notre Coco Ateba, c'est notre Coco Ateba. Encourageons-la. Encourageant l'artiste. La reine mère bio, encourageant notre soeur. La reine mère va partager la musique d'Oshiga. Ouh, il n'y a pas. Nous, on n'est pas la reine éternelle. Bonjour, ma grande soeur Sylvie Ténière. Bonjour, ma petite soeur Diane la puissance. J'ai déjà dit bonjour à Diane la puissance. Bonjour à qui encore? Avec ma voix de crapaud. Est-ce que je n'ai pas dit bonjour à qui ici? Bonjour, ma Yael d'amour. Bonjour, ma Yael d'amour. Bonjour. Elsa. Bonjour Elsa. Même quand on est fâché, c'est mon gars. J'aime le morceau si du don. C'est mon gars. Cherche ta part. C'est mon gars, Maléba. C'est le gars de Tatiana. Cherche ta part, Maléba. Maléba, cherche ta part. Lui et moi, on se sait. Bon, c'était l'artiste musicienne Oshiga. Hein, vous comprenez? Je fais ce direct ce matin parce que je suis en vacances. Je voudrais ensemble qu'on décrypte le direct de la bosse, de la gloss, de la glutabosse. Avant ça, je vais aller sur la page de Sylvie Ténière. On va voir une vidéo de Ngosa et son gars. On va un peu essayer de décrypter la vidéo du couple. Hein, Gossa et Thierry. Ouais, Jean-Jésus, calme-toi, non, c'est ta soeur. Bonjour, Guylaine Emmanuel. Hein, on va décrypter le live. Hein, je suis en live ici, appelle-moi sur notre téléphone, ma sistou d'amour. Vous allez me dire, si un homme qui respecte sa femme, si un homme qui est amoureux de sa femme peut danser comme ça, hey. Oh non, ce n'est pas la page. Oh, la grande soeur Sylvie Ténière a mis ça sur quelle page. Envoie-moi le live. Envoie-moi. Oh. Ouais, Seigneur. J'ai fait l'erreur. Excusez-moi. Je suis en direct ici. Ici. Non, je suis en direct sur l'autre téléphone. Envoie-moi le message ici, ma sistou. Donc, on entre directement le vif du sujet. Hein. On va essayer de décrypter le direct de Glutabos, s'il vous plaît. Je voulais montrer un peu la danse de Maléba pour essayer de décrypter. Bon, c'est pas trop important. On peut le faire en fond du direct. On va décrypter le direct de la gluta. Vous savez, avec un peu de sincérité,
d'honnêteté. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va décrypter ce direct. Il a pris 2 heures, mais on va essayer de sauter les étapes. Bonsoir ma gloire, bonjour ma gloire, bonjour maman Dédié. Je vous remercie, je vous supplie de partager mon direct parce que comme vous voyez, l'abbé Samet signale toutes nos pages. Il signale nos pages. Donc je vous supplie de partager mon direct, de ne pas vous oublier, de mettre des cœurs parce que je suis ici pour dire la vérité. Je décrypte ce direct dans la vérité. Vous comprenez? Voilà. Fleur divine, bonjour. Mamie Dédié, bonjour. Donc, partagez le live. Permettez-moi de partager. Et puis, on entre directement. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi? On va chez Ngoyi. Jean-Jésus, non, la danse l'était forcée, fleur divine. On va chez Ngoyi, on décrypte Ngoyi ou bien on décrypte Gruta. Vous préférez quoi? Vous préférez quoi, les filles? On décrypte Ngoyi ou bien on décrypte Gluta? Vous préférez quoi? Dites-moi. C'est quoi votre préférence? On décrypte qui? Ngoyi ou bien Gluta? Vous préférez quoi? Gluta? Ngoyi? Zéro soutien! Bonjour Sandy Laforge! Zéro soutien, Sandy Laforge, je les soutiens pas, je suis juste dans la vérité. Je ne soutiens pas Sandy Laforge. On passe Ngoyi, les deux non. On commence par qui, Yael? Yael, on commence par qui? Les Munda légués de Meta. Les Munda légués de Meta. On décrypte qui les deux rêves. Mamboma. Aïcha veut Mamboma. Juliette veut Ngoyi. Juliette, tu veux Ngoyi? Bonjour Daniel Bott. Juliette veut Ngoyi. Ngoyi a été claire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à décrypter chez elle. Vous voulez qu'on décrypte le direct de Ngoyi? On décrypte qui alors? Yael. On commence par qui? Deux pieds gauche. Yael a dit deux pieds gauche. Daniel a dit, Ngoyi doit faire. Bonjour maman Colette. Bon retour du boulot maman Colette. Repose-toi bien. Prends un bon café, repose-toi bien. Bonjour maman, merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. On décrypte pour qui alors? Gluta? Ouais, vous m'embrouillez. Oko, Daniel, big up à toi. Rêve, Aïcha, Jamil, est déjà chez Gluta, boss. Je m'en fous chez qui? Isaacam. Chez Isaacam, elle est chez Isaacam. Je m'en fous. Depuis que j'ai parlé, vous avez encore entendu qu'on a escroqué les gens. Elle leur donne même tout son magasin. Je m'en fous, manger les perruques. Je dis que pour la perruque, à quelle part avec? On décrypte Ngoyi, d'accord. Bon. Ngoyi, c'est quelle page? Quand elle m'a bloqué. On décrypte Ngoyi. Vous avez dit qu'on décrypte Ngoyi, non? Les trois sont idem, aucun mieux que l'autre. C'est ça, maman. Bonjour, Lolo Hélène. Qu'est-ce que Ngoyi a même dit d'aussi grave aujourd'hui? On va décrypter, je suis en vacances. Ngoyi a été clair, je ne sais pas s'il y a question, s'il y a décrypté son direct, je ne sais pas moi. Ils ont demandé Ngoyi. Ouais, mon élève, mon étudiant, ils ont demandé Ngoyi. Ça c'est perfection by time parfait. Après ça je publie, il y a une vente de perfection. Bonjour Maureen, bonjour ma sistou. Bonjour Maureen, la gardienne de nos traditions. C'est de quel direct vous parlez alors? Je dois c'est celui-ci. S'il vous plaît, abonnez-vous chez Maureen l'Africaine. Hein? Elle a les directs à thème. Hein? Elle a les directs. Hein? Ah, on l'a pris dans une voiture. Bon, d'accord, je mets le haut-parleur, on décrypte. Nous sommes en vacances, après je vais sortir là. Gluta boss,
Glutabos. Maman, tu es forte, ma. On va décrypter Ngoyi. Et vous êtes voisine. Ngoyi rêve, je n'ai pas suivi. D'accord, ma Yael d'amour. Bon. Los Gate. Los Gate. Bonjour Raï, merci de partager mon live. Vous savez que ça me signale toutes nos pages. Mes pages sont rouges. Donc merci de partager, de mettre les cœurs. S'il vous plaît. Je fais mes courses à Château Rouge. Je laisse en savoir. Ma faute, jamais. Maman, le filtre de ça. Pakistan. Mon voisin, elle a mis les mêmes lunettes que Loulou, maman, le même cadre. Non, vous êtes faute. Le chantier attend l'année prochaine. Vous n'aimez pas, vous le chantier, pas. Vraiment, le chantier à Zurich le 20. Zurich le 20. Je ne sais pas de quel direct vous parlez. Masse à l'oisiveté. Ben, tu as raison, je suis asive, ma chérie. Fait, je ne travaille pas. Je vis du social. C'est ton argent. On gère comme ça, non? C'est ton santé, c'est ton argent. Que c'est la famille. Bonjour, Aïe, mon ami. Les personnes, que quand ils arrivent au pays, ne pouvaient même pas vous parler. Quand vous arrivez ici en Bénin, vous devenez une fois la famille, vous signez sur ça. Donc, ce que moi, je peux dire dans cette histoire... Je suis là, maman, je suis là. C'est que, les gens de 1, quand on est complice, parce que j'ai écouté aussi sa mère, et je voulais dire au père de Julien, que tu dois faire attention sur les réseaux. Depuis le temps des guerres de Oum Yobé avec les Thomas Sankara qu'on a fait ici, là, sur Facebook, non, zéro confiance à personne. Voilà. Zéro confiance. Pourquoi une de... Oui, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la page de Maureen l'Africaine, les filles, je vous en supplie. Abonnez-vous sur la page de Maureen l'Africaine. Elle a beaucoup d'informations, c'est vrai. Abonnez-vous. Mon téléphone beaucoup quand on m'appelle. Pourquoi? Parce que sur Facebook, là, les gens de Facebook, il y a des personnes avec qui on peut faire le Congo ça. Il y a des personnes avec qui on ne fait pas. Vous voulez voir ou bien vous voulez ça imager ou alors ça va comme ça? Je vais vous dire, Ngoyi a toujours dit, ça c'est la vérité. Elle a toujours dit qu'elle ne décroche pas les appels. Elle a toujours martelé ça sur Meta. Qu'elle est l'une des blogueuses qu'elle ne cause pas avec n'importe qui. Ça, elle a toujours dit. Et quand quelqu'un répète quelque chose tout le temps, tu comprends qu'elle est dans la vérité. Elle a toujours insisté là-dessus. Que les appels téléphoniques, les conversations téléphoniques, je ne suis pas dedans. Montre-nous, d'accord. D'accord, Juliette. Elle a toujours dit qu'elle n'est pas dans les appels téléphoniques. Avec ma quota. Ma copine. Vous comprenez, non? Elle et moi, plus jamais rien viendra. Nous séparer. Mm-hmm. C'est bien. Nous sommes d'accord. Les deux là vont se retrouver au village. À Angomapoubi. Ils vont se retrouver au village, ils vont arranger leurs problèmes autour, bonjour, Kamtachou. Autour du Mbongo Tchobi et de... Kamtachou. Et autour du Mbongo et de... Comment on appelle là? Et les souris avec les Misunja et tout ça là. Voilà, donc vraiment, je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je peux leur dire, c'est de se calmer. Comme j'ai dit... Merci de partager de mon live, s'il vous plaît. Il faut se calmer parce que ça ne sert à rien. Je dis à ma copine, tu restes dans ton coin. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Chacun gère son couloir. Parce que la famille, même père, même mère, se sépare. Quand ça ne va pas. Vous savez quand on vient en Bengla, on retrouve trop de familles ici. J'ai combien de temps pour parler? Parce que quand on arrive en Europe là. Je vais vous dire quelque chose. Quand cette femme parle, ne prenez pas sa parole pour évangile. Cette femme est une manipulatrice et ça, il n'y a pas de problème. Elle a la sagesse du village. Parce que chez nous, à l'ouest, quand tu as la sagesse de l'ouest, tu gagnes. Non, je suis sincère avec vous. Moi, je n'ai pas la sagesse de l'ouest, je n'ai pas grandi au village. Mais la vie m'a enseigné. Chez nous, à l'ouest, quand tu as affaire avec un bamileke qui a grandi à l'ouest, locote, fais attention. Ne prenez pas sa parole pour évangile.
Elle peut vous dire que c'est ma copine bac. Pourtant, c'est elle-même derrière. Que si elle ne la voit pas plus bas que terre, elle dira toujours que tu es ma soeur, tu es ma soeur. Elle voit comment tu t'enfonces, tu es ma soeur. Jusqu'à ce qu'elle te voit au fond du ravin. Elle dit oui, là maintenant, je me suis vengée. Parce qu'on dit si bien que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça ne veut pas dire qu'on te sert un plat froid, tu commences à manger. Ça veut dire que tu agis en douceur. Tu agis en douceur. Tu tues ton adversaire, il ne se rend pas compte. Tu le bouffes, il ne se rend pas compte qu'il y a une partie de son corps qui a disparu. C'est ça la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire que tu chopes le bras de l'adversaire, mais il ne voit pas le trou. Mais tu ne fais que ronger. Méfiez-vous. Flore est très dangereuse. Et dans la vie, pour gagner au moment, il faut être dangereuse. Mais pas dans la méchanceté. Elle ajoute la méchanceté à son dangerosité. Tu peux être manipulatrice sans être méchant, tu gagnes. Mais quand tu es manipulatrice et méchant, c'est dangereux. Donc ne croyez pas tout ce qu'elle raconte. Vous trouvez la famille comme ça. Dès que quelqu'un parle ton patois, même si vous avez grandi dans le même quartier, c'est déjà la famille. Voilà. Ça, on n'en disconvient pas. C'est pour vous dire que ce n'est pas une famille. Mais il y a la famille de sang qui se sépare ici en Europe. C'est pour vous dire que Bombo il dit Samé et le couple n'ont aucun lien. C'est un message qu'elle vous envoie. Que Samé, tous ces trois n'ont aucun lien. Ils ne sont même pas du même village. Ce sont les familles qui se retrouvent sur Facebook. Non, nous sommes du même village. C'est le message qu'elle vous envoie là. Elle envoie le message. Quand tu trouves que ton chemin avec une personne, ça ne va plus, chacun prend sa route. Bonjour Nala. On est venu en détail. Bonjour Amalia. On va rentrer en détail. Il y a des personnes que quand tu étais au pays, dans les familles, il y a des cousines, les cousins, que quand ils étaient en Bengue depuis, quand ils arrivent même pour les voir, tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas. Mais quand tu arrives ici, ça devient que c'est la famille. On gère comme ça, non? Que c'est la famille. Les personnes que quand ils arrivent au pays, ils ne pouvaient même pas vous parler. Quand vous arrivez ici en Bengue, vous devenez une fois la famille, vous signez sur ça. Donc, ce que moi je peux dire dans cette histoire, c'est que, déjà de un, quand on est complice, parce que j'ai écouté aussi sa mère, et je voulais dire au père de jumelles que tu dois faire attention sur les réseaux. Depuis le temps des guerres de Oumyobé avec les Thomas Sankara. Merci de partager mon live, s'il vous plaît. Sur Facebook, non. Merci, maman Colette. Zéro confiance à personne. Oui. Zéro confiance. Uh-huh. Pourquoi ne décroche pas mon téléphone beaucoup quand on m'appelle? Pourquoi? Parce que sur Facebook, là, les gens de Facebook, il y a des personnes avec qui on peut faire le Congo ça. Il y a des personnes avec qui on ne fait pas le Congo. C'est clair. Oui. Parce que le Congo ça, tout le monde fait. Moi, je fais le Congo ça avec ma copine. Propre. Hein? Je fais le Congo ça propre. On parle de ce qui se passe, que Kota, c'est comment. Va écouter le direct là, c'est chaud. Je dis que Kota, il va écouter après. Envoie-moi le lien, je ne connais pas. Parce que je ne connais pas tous les appels, les pages. Tu écoutes aussi le Congo ça, n'est-ce pas? On écoute. On écoute le Congo ça, tu écoutes, tu essuies ta bouche, tu restes aussi tranquille que, oh, je n'entre pas moi dedans, oh. Bonsoir Zazie. Hein. Donc, pour dire que, quand on a mis, comme ma copine, ça m'était le fils du père. Le père, c'est le Congo ça, non? Il est venu là. Je sais ça, Nala, brille, je sais ça. Je sais ça, Nala. Parce que le passé reste le passé. Tout ce qu'il y a eu à faire. Chacun doit être intelligent. Chacun doit être sage. Personne ne doit aller faire la guerre pour l'autre sur les réseaux. Parce que c'est nos têtes que nous mettons. Après, si on dit que c'est elle qui avait fait, que c'est elle qui avait dit, fait que... Chacun est responsable de ce qu'il fait. Hein? C'est comme ça, ça mais c'est comment? Mais tu as mis le feu là. Ngoma boa. Ngoma boa. Donc quand tu t'as serré partout au Maroc, tu écartais, tu mettais l'air comme ça là en route partout que... Tu as crié parce que tu t'es fatigué, non? À chouk en Gongoli. Maman, l'argent est bon, hein? Ouais, donc ça me compte envoyer seulement tes sangoma, mon frère. Elle se moque de lui. Elle se moque de lui parce que elle a crié, il criait ici, Kenkam, il a insulté parce qu'il était dans le groupe des tribalistes. Aujourd'hui, maintenant, il a ses pieds, c'est lui qui essuie ses pieds. Elle se moque de lui.
Maman, réjouis-toi. Donc 100 gommas, ça peut faire même 1 milliard. Non, réjouis-toi. On l'envoie 100 euros, elle se moque de lui. 100 gommas, ça peut faire même 5 mois. Vous voyez, non? C'est tout, elle se moque de lui. Moque-toi de lui, maman. Donc, bien qu'on t'envoie, le jour qu'on t'envoie, le 300, tu fais 100 direct. Voilà, c'est la moquerie. Moque-toi de lui. C'est clair. Après, tu t'assois, tu bois tes Doliprane. Quand on te donne même 300, maman, 300 gommas, mon frère. Elle se moque de lui. Même si c'est moi. Quoi? Si j'ai faim. Donc, en quelque mon sorte, sa mère, c'est un affamé. Sa mère, c'est un affamé. Quand on lui envoie 100 euros, il fait 10 directs, peut-être 5 directs. Le jour où on va peut-être envoyer 300, il va faire 100 directs en un jour. Parce qu'il a faim, il est dans le direct, il rigole. Pourtant, on est en train de se moquer de lui. Parce qu'il était dans un groupe de tribalistes. Je vous ai dit ça hier, excusez-moi, c'est la vérité. C'était un groupe de tribalistes. Tu avais vu deux blogueuses au sommet. Excusez-moi, je ne suis pas tribaliste, mais je dis la vérité. Monsieur Messin a vu deux blogueuses qui sont fortes. Qui sont fortes, Lolo et Flore. Il s'est dit que moi, comment je vais faire pour élever aussi ma soeur blogueuse Bassa? C'est la vérité, je ne mens pas. Il s'est mis dans le tribalisme. Il a mis sa main dans le lot pour détruire les deux blogueuses Bamileke. Sa main insultait Flore matin, midi, soir. C'est monsieur Messin qui l'encourageait. Parce qu'il voulait aussi voir sa localité sur les réseaux sociaux briller. Mais là, il tord. Parce que Maléba, c'est une ingrate. Elle ne sait pas lire. Il a misé sur la mauvaise carte. Il aurait dû prendre une autre blogueuse Bassa, chercher une autre. Peut-être Pelle de Luxe. Oui, il aurait dû prendre l'autre. Mais il s'est trompé. Il a pointé la mauvaise carte. C'est ça qu'on goyait en train de se moquer de lui là maintenant. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Elle se moque de lui. Écoutez. Même si c'est moi. Hein? Non, tu n'as pas mal fait. Tu as bien fait de prendre tes dos. Voilà. Quoi? Vous qui partez payer pour qu'on insulte les gens là. Voilà. Là où je suis là, blessé de guerre maintenant, on paye. Oh, ma faux pardon, parlez de mon problème. Donc vous allez partir payer, moi je vais parler de Jordan. Voilà. Nada.